sens de mon travail, à la base, il était de puiser en fait dans tout ce qui était un peu symbolique ancestral, mais avec des techniques très contemporaines, qui étaient un peu comment revivre en fait à notre époque, en puisant dans toute une façon de vivre qui était plus ancienne. Je réalise que de plus en plus, en fait, l'idée elle est d'être un lien en fait entre différents trucs qui a priori ne seraient pas forcément. Je ne mettrais pas nécessairement ça. J'ai toujours l'impression que c'est quand tu te poses plus de questions, tu vois. Et c'est un peu pareil quand tu as l'impression dans la vie, si tu t'es planté ou pas. Quand c'est naturel et quand tu te dis, c'est bien comme ça. Quand tu regardes pas en arrière, en fait. Quand tu te dis pas, ah ouais, peut-être que si, peut-être que ça, tu vois, quand ça paraît plus d'une évidence. Après, que ce soit beau ou pas, en fait, ça n'a absolument aucune importance. C'est juste quand ça te paraît évident, tu vois. Ni en enlever, ni en rajouter, tu vois, tu sais que c'est bien comme ça. C'est une tête de Bastien. Et en fait, tu vois que c'est entre, il y a une sorte de crâne, que c'est très tribal en fait, tu vois, dans la façon dont il approche le truc. Et en même temps, il y a plein de couleurs, tu vois, que c'est aussi vachement contemporain. Et je trouve que tu vois, il y a une liberté folle en fait, tu vois, tu sens que t'as l'impression en fait, que c'est purement instinctif, même si tu vois que c'est vachement abouti, tu vois que c'est, tu vois que la structure elle a l'air réfléchie, t'as l'impression, tu vois, que c'est comme si un enfant il savait dessiner. Tu vois mes racines et tout d'où je viens, qui sont aussi un truc auquel je suis confronté en fait dans ma vie de tous les jours. Parce que, tout ça c'est vrai que c'est ma base en réalité. Et après c'est un peu tout ce que la vie en fait. La vie, toutes les différentes informations que tu peux épuiser. Et les voyages en réalité, tu vois, tous les endroits où je suis allé. En fait, je vois ça plus comme une quête, tu vois, qu'une fin en soi, tu vois. J'ai l'impression qu'être libre, en fait, ça veut dire de se libérer de tout ce qui nous empêche d'être épanoui, tu vois. Ça passe par apprendre à se connaître, peut-être savoir un peu d'où on vient, même si c'est même pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Mais... plus tu connais sur toi-même et plus tu es à même, tu vois, d'être un peu aux manettes de ta vie, j'ai l'impression que c'est plus ouais, comme une quête que comme quelque chose de réalisable, en fait. Qu'est-ce qui est complexe, en fait, tu vois, c'est toujours l'idée de trouver sa place, en fait. Est-ce que j'ai ma place ici, est-ce que... Même en tant qu'artiste, tu vois, je trouvais que c'était drôlement pompeux à la base, tu vois, ce que je veux dire, d'être artiste, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, tu vois. En fait, c'est plus les gens qui me disent, ouais, c'est cool, tu devrais faire ci, tu devrais montrer ton taf. Après, j'ai commencé un peu à vendre mon taf et tout, donc petit à petit, ça s'est fait, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... je sais pas comment dire. The story that you're always being locked in the basement in order to paint. That's just has a nasty edge to it, you know. I mean, I was never locked anywhere. I mean, if I was white, they would just say artist in residence rather than say all that other stuff.